c'est très beau. Celle-là, je la dédicace à Sylvain. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une battle fish and chip contre Sicolure. Exactement. Sur les terres charentaises de Sico. Donc ça va être sympa. Il y a qui dans ton équipe? Alors moi, écoute, il y aura Anthony, alias okay. Le meilleur pêcheur, donc accroche-toi. Et après, il y a mon Rafou qui passe partout. D'accord. Et à moi-même. Bon, un petit bras cassé, mais au moins ça va le faire. Ok, et eh ben moi j'ai embarqué dans mon équipe Mélanie, donc la responsable com. Ouais. Et puis Morgan, qui est alors il n'est pas vraiment chez Fish and Chip, mais c'est un pote. Je me suis quand même entouré d'un local. Voilà. Un local blessé, parce qu'il a une espèce de prothèse au genou, je sais pas quoi, bref. Une femme, ok, et puis ben, moi. Donc, okay. Ouais, on part avec un certain désavantage, mais je suis impatient d'en découdre. C'est de la pêche de la truite, et ça devrait être sympa. Que le meilleur gagne. Exactement, hein, monsieur. Pourvu que ce soit nous, quoi. Gaffe à ta canne et ton fil. Yes. Donc là, nous, on est avec Sylvain. On est derrière les caméras. Donc là, en gros, le but, c'est à chaque poisson, on change. On va tourner, ouais. Chaque, ouais. Donc, ça chaque poisson, on va toujours pris, être là. On va lâcher la caméra. Si nos handicapés de leur employeur réussissent à en attraper. Ça, c'est autre chose. Donc bon, on va bien voir. On risque d'être là depuis pas mal de temps. Tu devais rentrer ce soir, mais peut-être que tu rentreras dans quelques semaines. J'aime bien la Charente, mais écoute, si je peux rentrer chez moi, c'est bien aussi, ouais. On a tout le temps nécessaire. Oh lololololololol. C'est pas repêché, je pense. Attends, tu vas aller chercher l'épuisette. Bien, même elle, bien. Attends, elle est pas encore là. Hein. C'est une grosse en plus. Elle est magnifique. Vas-y, on prend le temps. Grave. Oula, oui. Ténard. Ouais, c'est gros. Bon, tu l'amènes, oui. Putain, elle est aussi lente à la pêche qu'au travail, quoi. Hop. Oh non, je l'ai raté. Yeah. Fish and chip. Oh, magnifique, regarde ça. Ça commence pas très bien pour nous, super, là. Un beau mal. C'est un début de branlée, là. Ouais. Non, pas la branlée, déjà. On leur laisse un peu d'avance. Oui, on est fair play, c'est ça. Ouais. On va dire que c'est ça. On est très sport. Ouais, on est sport, mais oui, mais avant tout. Ok, ben du coup là, on est quatre à pêcher une petite veine d'eau, hein, c'est vraiment pas profond. Et du coup là, vraiment, ça faisait un moment que je pêchais la même zone, mais là j'ai dû gagner quelques centimètres au lancer. Et du coup, elle m'a pris assez rapidement. Quoi. Donc ça fait 2-0 pour l'équipe Fish and Chip. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller pêcher un tout petit peu plus bas, revenir. Ah oui, bien sûr. Parce que. Oh les gars, t'as eu le niveau. Bonne pêche. Ouais, bonne pêche. Ok, toi. Toi là-bas, d'accord, ok. Allez, où? Bon, on va où là? On essaye là, Bat? Allez, ben on va à droite. Là, ils ont atteint ma dignité. Raph, faut qu'on se ressaisisse, ça va pas du tout là. Aïe. Ouais, le moral est au plus bas. Et c'est un beau poisson qu'elle a fait, Mélanie. Hein. Ouais. J'ai eu un combat. On commence pas à dire du bien des autres quand même. Ouais, c'est vrai, pourquoi je suis sympa moi en fait. Non, c'est vraiment un beau poisson et un superbe combat. Franchement, top. Okay. T'es pour en dérouler un peu plus.
Ça permet de, tu sais, de qu'elle soit moins. Ouais, c'est beau, c'est beau. Putain. Oh, combat trop bizarre, elle vient pleine balle. C'est des grosses, ça, c'est des grosses. Raph, besoin d'aide. Oh là 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 là, mais la misère. Yes. Ouh. Ah bon. Et impeccable. Vas-y, tu peux la décrocher. Comme quoi, toi, on a bien fait faire. Et comme quoi, trop bizarre en fait, à la touche, je l'ai senti à peine, je l'ai vu sauter, en fait, elle l'avait dans la gueule et elle m'a fait un combat vraiment particulier. Elle arrêtait pas de sortir hors de l'eau et elle revenait pleine balle, donc fallait mouliner vraiment vite. Parce que là, sans ardillon, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Si on met un peu de mou, c'est compliqué. C'était un poisson, c'était quoi ça? J'ai cru entendre, hein. Hein? Comme un poisson. Bon, bah voilà, j'ai fait un beau poisson là, je viens de lancer un peu plus loin. J'ai lancé sur la gauche, en fait, il y a une sorte de petit courant et elles se mettent là, elles sont bien. Et bah voilà, ou leur insecte a pêché sur le fond, lentement, et puis ça a marché. Donc là, je vais vous montrer, c'est un beau poisson. Allez, on le remet. Et puis ça va être à toi de pêcher, Bat. Allez. Ouais, enfin moi. Allez, celle-là, je la dédicace à Sylvain. Elle est toute belle. Elle a tout donné, elle. Waouh. Waouh. Bon bah ça c'est le petit cadeau d'adieu. Mais c'est, j'aime bien parce que ça veut dire que les poissons ils sont en pleine forme. Allez Baptiste, à ton tour. Hop là, bon à mon tour. Merci Anthony. Je vais garder la même stratégie que toi, tu viens de la prendre. Raph passe sur un leurre soupe naturel, donc je vais passer sur du brown. Je vais faire un dernier lancer. Et puis après on va bouger avec Raph. Allez derrière. Elle suit non? Allez derrière. Tu l'as raté Morgane? Elle est venue trois fois dessus. Elle l'a pas vraiment pris. Hein. Ok. Tu sais, elle se tourne, elle revient. Et... Sylvain? Sylvain? Poisson? Ouais, je vais essayer de. Je vois même pas ce que je fais. C'est un joli poisson, hein. Poisson qui fait 55, hein? Fais attention. C'est un joli poisson, il est bien pris, de toute façon, il n'y a pas de raison. Oh, je me suis arraché. Tu veux faire de fou? De quoi? C'est magnifique. Oh là là! C'est bon? Tu vois, là-bas, personne n'y pêche, tu vois, quand tu pêches différemment, c'est. J'ai fait un sprint, mon pauvre. Wow. Merci. Oh. Bravo Morgane, j'avais pris un peu d'avance, j'étais parti loin dans le sous-bois. Et là, c'est moi qui avais l'épuisette. Il fait ce magnifique poisson. Il doit faire 47,8 je crois. Superbe. Superbe. Ça te va comme ça, Mel? On se contente de ça. Allez, on se dépêche, on la remet à l'eau. Et que Mel prend la caméra. Ils doivent pas s'endormir là-bas, les autres. On y va. Zou. Ouh, magnifique. Bien joué, mec. C'est beau, c'est très beau. Oh, putain, ouais, elle est sacrément belle. Là. Oh putain! Deux fois de suite, quoi. Oh, comment ça se fait? Je pense que c'est la pression. Fish and chip, ils font peur. Surtout Sylvain. Je sais qu'il est grand, il a une grosse tête, il est gros. Ah petit. Allez, on va rentrer un poisson là, allez Rafou. Ouais. Allez, c'est une petite, faut pas qu'elle se décroche. Hein. T'es au marron Bat? Ouais, je suis au brand, okay. Tu peux passer au brand, ouais. Ouais. Non c'est bon, je vais l'épuiser, t'inquiète. Yes, ça y est. Elle s'est décrochée dans l'épuisette. Ouh.
Bon, Anto, à toi la canne. Ouais, en tout. Celle-là, je la dédicace à Sylvain. Rien à voir avec ce qu'on vient de décrocher, mais ça fait plaisir, ça fait un poisson de plus. Allez. Allez, à ton tour. Bon alors Raph, tu veux garder la canne toute ta vie ou ça se passe comment? Ouais, j'aime beaucoup pêcher. Ah bah ouais, mais je suis pas un mec sous pression. Ah bah ouais, on a bien vu que t'avais pas de pression là. Ouais. Les compètes, j'ai fini, tu vois. Ah ouais. Ouais, bah fais donc un poisson. En mode de vie autonome, tu vois. Ah, c'est bleu. Ouais. Non, je sais pas, j'étais concentré. Allez, Raph. Tant qu'elle arrive. Allez, Raph. Il est tranquille. Ouais, pas vilaine. Yes. Allez. Celle-là, je la dédicace à Sylvain. Elle est jolie, là. Bon, bah nickel. Bon, bah on va vous montrer ce beau poisson qui fait 45 à peu près. Super. Allez, 3 poissons du coup pour nous pour l'instant. Ouais, 3. Allez, on la remet. Hop là, pleine balle. Super. Bon, bah c'est bien, 3 poissons. Dommage que tu décroches tes 2 beaux poissons, Baptiste. Faut que Raph se réveille. Ouais. Raph, il est pas réveillé là ce matin. Là. Oh, allez. Tu vas encore se réveiller. Zou, à toi Baptiste. On va faire un petit point. Ouais. Déjà, il faut leur demander s'ils ont assez de l'air. S'ils n'ont pas cassé le matériel. Bel esprit de la partie quoi. Ils nous ont filé des matos de merde quoi. Pour éviter qu'on attrape des poissons. Ils sentent qu'on est juste derrière eux, ou peut-être même on a autant de poissons qu'eux, je crois. Mais du coup là ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. Ils vont pas venir. Allô? Ouais Momo. Ouais Baptiste, attends, j'ai vu ce qu'on a encore un poisson. Pff, bah putain mais moi pareil, mais tu vois j'ai essayé d'appeler Sylvain mais après j'ai raccroché. Hein? Et là. Ah bah attends Anto, attends, je te rappelle Anto a une touche. Ok. Ouais, bah, bien joué Anto. Bien joué Anto. Oh, c'est gros, c'est gros. Il a capté à 100 000. Oh, décroché. Ouais. Oh. Ça, c'est une 80. Décroché. Ouais. Oh, les boules, hein, là, les boules. Ah, hein. Oh, les boules. Ouais, Momo. Ouais. Oh, on vient de décrocher un poisson monstrueux. Non. Oh là. À 2 doigts d'épuisette, plus de 70, là. Mais large. Non, non, c'était pour faire un point avec vous. Alors, du coup, vous êtes comment? On a 11, nous. Mytho. Non, mais si. Oh, ah oui, là, on se prend une déculottée, alors. Vous en avez combien, vous? 3. C'est vrai? Okay. Ah, je te jure. Vous êtes à 11, vous? Ouais. Non. Non, je rigole, 3. 3 aussi? Et je n'en décroche 3, par contre, moi, vraiment. Vous avez sorti, Sylvain? Vous avez sorti? Ouais, c'est bon, ça fait 4, alors. 4. Bon, bah, allez, ok, pas de soucis, on s'active alors. Allez, ciao. 4, tu l'entends derrière Mélanie. 4. Bon, tu vois, il y a moyen de les avoir alors, du coup. C'est chaud. Là, je décroche pas mes 3 poissons. Bah, là, on va les voir et puis c'est. Ah, bah là, et on reste à côté d'eux et puis on les regarde. Ah, allez, contre, ça remotive ou quoi? Ça remotive. Ouais. Allez, rapide. Faut allez, Rafox. C'est bon. Allez, voilà. Les psycholures. C'est bon. Oh. Ah, oui. Team psycholure, ça se trouve, ils ont mytho. Ils sont vraiment à 11. Ouais. Ok. Donc là, c'est la 4e, du coup, au compteur. Yeah. Juste là, devant les pierres. Yeah. Salut toi. Bonjour. Alors, ça dit quoi? Eh ben on a, écoute, 5 poissons. T'as 5 poissons? Ouais. Non, pas j'ai, oui, nous avons. Oui, ton équipe a 5 poissons. Mel en a fait combien? J'en ai fait 2. Mel en a fait 2, Morgane en a fait 3. Donc toi t'as un bon capot. Comment je fais pour les attraper là? Tu les mets dans les poches? Ah bah ouais. Je les coach. Bah écoute, je crois bien que... Et alors?
On a perdu. On a fait 3 poissons. C'est en tout tour, ouais, en tout on fait 2 assez rapidement et après j'en fais une. J'en décroche 3 belles. Ok. Mais non. Et votre troisième acolyte là? Rafou, bah, Rafou, on sait pas. Il est passé à côté je crois bien. D'accord, là. Un peu comme ouais. Un peu comme toi. Ok, donc on vous bat à domicile 5-3. C'est vrai que c'est... Alors, toujours faudra faire une revanche. Avec votre matos. Oui, en plus avec tout l'équipement. Donc on avait quand même... Deux. Non, on partait pas. C'est vrai que vous partez pas gagnant, mais nous on n'était pas en France. Bah, cool, bah, écoute, bravo quand même, j'allais te dire. Merci bien, Douga. Et puis, charge de revanche. Exactement. En haut de sa voix. J'espère que vous avez en tout cas aimé la vidéo, c'était super sympa. On se retrouve dans de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous suivre. À suivre aussi la chaîne YouTube de Sylvain. Fish & Chip TV. Et puis à bientôt.